Hey 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 cucu tout le monde et bienvenue pour cette mini vidéo qui présente les nouveautés de la mise à jour qu'il y a eu le 12 décembre, ce jeudi 12 décembre donc 2019, où on a eu énormément de coiffures pour les pampins et les enfants, filles et garçons. Dans cette mise à jour, elles seront toutes dans le jeu de base et ce sont des coiffures qui ont été adaptées pour les bambins et pour les enfants qui sont tout simplement des derniers add-ons, par exemple essentiellement université à la fac et île paradisiaque. Mais il y a aussi des coiffures qui viennent d'autres packs qui sont ou même qui étaient adaptées, qui étaient des plus grandes personnes pour les, à partir des ados adultes pour les enfants. Donc c'est complètement génial. C'est une très 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 bonne surprise puisqu'ils n'ont pas prévenu qu'il y avait une mise à jour et encore moins qu'il allait avoir des nouveautés de ce genre. Pas besoin d'avoir des CC pour adapter ces coiffures aux enfants. Elles seront désormais maintenant dans le jeu de base. C'est une donc très très bonne nouvelle et ça rajoute quand même beaucoup de coiffures et enfin des nouveaux styles. Ça fait longtemps que j'attendais un peu de nouveautés concernant les coiffures des enfants. Je suis donc ravie et en plus elles se déclinent évidemment dans toutes les couleurs possibles pour les enfants. Après les filles, nous passons aux garçons où nous avons cette coupe de cheveux un peu à la Justin Bieber qui est arrivée aussi. Une coupe plus avec des cheveux longs aussi qui change un peu, que je connais très bien parce que je la mets souvent à mes Sims hommes. Une autre coupe courte avec rasée sur les côtés et avec un petit dessin. Vraiment ça change, c'est très très sympa, c'est vraiment du renouveau. Une coupe que la même qu'on avait chez les filles qui est donc pour un garçon cette fois-ci. Donc voilà, celle-ci qui est inspirée de université, elle est parfaite, elle est trop cool. Et il y a aussi l'arrivée de la boule à zéro, je pense pas qu'il y avait déjà cette coupe là. Et puis d'autres petites coupes beaucoup plus sages mais vraiment très sympathiques. Et la dernière nouveauté, c'est l'arrivée du statut de Yoda, bébé Yoda. Alors je sais pas trop pourquoi du comment, mais bon, c'est une sculpture qui coûte 504 simflouz, hein, May the Force be with you, hein, bien sûr, pour les fans de Star Wars, ça leur parlera. Et c'est donc une statue qui est nouvelle et qui est dans le mode construction par rapport à ce petit bambin. Vous pouvez voir la hauteur de la dite statue. Moi je vous remercie de m'avoir regardé, je vous laisse, n'oubliez pas de faire un petit like, un petit comme, et ça me ferait plaisir. Allez, ciao!